Salut Vlog, aujourd'hui on est à Belœil, on vient voir Marc-André, qui est un gars qui a fait des formations avec moi, puis on va faire un workout ensemble. Et on est au. Comment ça s'appelle? Atmosphère. À Belœil. Puis après ça, dans le fond, juste au bord de la rue, il y a la clinique Proaction Nutrition. Marc-André travaille là avec Seb Dufort et l'autre Sébastien. Et c'est ça, puis qu'on va faire un workout, puis après ça, on va aller faire un podcast avec Seb. Là, tu vas le tailler comment, Jean-Sébastien, l'autre Sébastien. On va faire des tons de mur. On va l'amener là, c'est là. On va faire ça. Ouais. On va faire 3 sets, 3 sets à l'échec. Après ça, on va faire un squat. Va chercher, continue, fight. Oh. Yes. Go. Fight. Là, tu sais, tu t'en mets plus. Dans le milieu, t'es fort, fait que là, tu le laisses aller. Puis à la fin, t'es faible en contraction, fait que là, t'aides. C'est ouais. Comme, t'en mets au top, tu touches à rien, puis t'en enlèves en bas. T'sais. Là, je suis en bas, c'est très scientifique. Ça, c'est important de vous écouter, c'est que j'ai oublié mes souliers avant de partir. Fait qu'aujourd'hui, je suis en bas. Reste métabolique, puis tu ne fais pas trop de dommages musculaires parce que si tu fais des tempos lents avec bien du volume, bien là, tu fais juste comme trop en mètres, tu n'auras pas dans la misère à écouter. Tu sais, on va faire genre 3-0-1. Il n'y a rien de fou là-dessus. Ça fait du sens? Ouais. Alright, workout fini, donc vraiment beau gym ici, c'est vraiment bon, donc si vous êtes dans le coin de Belœil, moi Marc-André pour Proaction, fait que c'est où qu'on peut te rejoindre si... Au club Santé Atmosphère, ou la clinique Proaction Nutrition, si vous allez à Belœil. C'est ça, donc venez faire un workout ici, c'est vraiment sharp. Marc-André a fait des belles formations aussi, donc pas de méditation, yoga, et quoi faites d'autre? J'ai toutes les formations avec Jacob, qui est un must. Formation d'SSP Yoga Club, formation de prof de yoga, Hatha Yoga, méditation, technique de respiration. C'est ça. Yes. Cet été, on va préparer des affaires plus là-dessus, méditation, puis yoga, peut-être, des petites capsules peut-être là-dessus. Peut-être, en plein air. Ouais, en plein air. Et ça va être toute une activité. Assez ou ben pas les bonnes choses, t'sais. Fait que tu sais, des fois, c'est pas, tu sais, il n'y a pas de recette miracle, là. C'est vraiment juste de ramener un plan normal, tu sais, le corps pas nécessairement fait pour subvenir à tous ces stresseurs-là, au bout du compte. Là. Ce qui arrive souvent, c'est que le monde veut tout le temps avoir le pied dans le fond, mais c'est que plus ça va, moins t'es efficace. Exact. Fait que des fois, tu sais, c'est, des fois, puis ça m'est arrivé souvent, puis sûrement toi, tu travailles 12 heures par jour, puis t'es comme, ok, j'ai pas fait grand chose finalement dans ma journée, puis des fois tu vas travailler 4 heures, puis là tu vas accomplir. Fait que c'est ça des fois, comme tu disais, t'sais, le, oui, t'sais, le monde aime donc ça dire qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils sont brûlés, qu'ils sont fatigués, pis que... mais tu sais, dans le fond, t'es pas plus. Ce que tu veux, c'est d'être efficace, c'est ben, pas c'est de travailler beaucoup. Exactement, exact. Tu sais, à mon avis, ce qui est bon, c'est la personne qui a juste travaillé 4 heures, mais qui a réussi à tout faire ce qu'elle va faire, versus la personne qui fait 12 heures tous les jours. Si tu fais 12 heures à chaque jour,
Il y a quelque part qu'on s'est planté, là. Tu sais, je veux qu'il faut améliorer, ça, c'est sûr et certain, tu sais.